Beyond the Wall and Other Adventures par Flatland Games. À la première vue, on dirait que c'est un OSR typique. Mais détrompez-vous. En empruntant les designs des jeux de rôle des années 90 et début 2000, on dirait que c'est approximativement la même chose que vous retrouvez sur les tablettes de n'importe quel shop de hobby. Mais Beyond the Wall apporte quelque chose de nouveau en considérant que les joueurs de nos jours n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer et aussi à faire des quêtes. Eux autres proposent une session simple pour comment créer votre personnage et en dedans d'une heure, vous êtes capable de bâtir un monde, créer les personnages et débuter votre aventure. En utilisant un simple outil de création appelé des playbooks, les joueurs et le maître du jeu vont pouvoir participer à créer leur propre personnage, après avoir choisi la race et la classe du personnage qu'ils vont vouloir jouer, les joueurs. Vous avez des tableaux interreliés avec chacune des classes. Donc, vous avez des tableaux pour les utilisateurs de magie, les roublards et les guerriers. Dans ces tableaux, vous sélectionnez ou vous brassez un dé aléatoirement et ceux-ci vont indiquer les statistiques que votre personnage va avoir. En plus, ça représente une histoire de base pour votre personnage. Chacun de vos jets, de vos numéros que vous avez sur le dé correspondant au tableau, vous donne ce que votre personnage a eu ou a fait durant sa jeunesse. Donc, vous n'êtes pas obligé d'inventer de toutes pièces une histoire et essayer de coordonner ça avec les autres joueurs et aussi, le plus important, avec le maître du jeu. Tout est interrelié et en plus, tous les jets, vous pouvez avoir des statistiques qui influence les statistiques des autres joueurs que vous jouez avec. Donc, c'est un parfait exemple de collaboration entre les joueurs et le maître du jeu en utilisant ce système pour créer l'environnement et aussi la base historique des joueurs et du groupe d'amis qui vont jouer une partie ensemble. Et quel serait un groupe d'amis qui part à l'aventure s'ils n'auraient pas un endroit commun où aller se reposer et aussi avoir un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que nous avons la création du village. La création du village est, encore une fois, une collaboration entre les joueurs et le maître du jeu. Vous commencez avec une feuille de papier qui est vide, vierge, et vous ajoutez les personnages non-joueurs et aussi des établissements d'importance selon les statistiques que vous avez roulées ou de la quête que vous allez jouer. Donc, c'est comme collaborer pour écrire un roman ou partir à une grande aventure avec tous les joueurs autour de la table. Ça enlève beaucoup de pression au maître du jeu qui est très occupé dans sa vie quotidienne pour essayer de trouver des choses ou des événements qui va pouvoir plaire à tous ses joueurs et à toutes les histoires d'origine de ses joueurs. Il existe aussi une expansion qui est nommée Further Afield, ce qui permet aux joueurs et aux maîtres du jeu de faire la même chose, mais pour le monde au grand complet. Donc, vous créez à partir des idées de toutes les personnes autour de la table pour créer le monde alentour et des quêtes que vous allez faire. Et même des anciennes légendes, tout au trésor, tout au personnage et même des ennemis. Donc, c'est pas seulement au maître du jeu de faire le travail, c'est une collaboration adéquate de tous les joueurs et vous êtes sûr certains qu'ils vont aimer ça parce que ça fait partie de leurs idées et de leurs intentions pour bâtir l'histoire et approfondir les caractéristiques de leur personnage. Il existe évidemment une section pour comment créer le personnage de toute pièce avec les lancers des D6, comme on retrouve dans toute la plupart des OSR. Mais la force du livre est carrément dans les statistiques des personnages déjà préétablis dans des brassages de dés et aussi dans les scénario packs, des packs de scénarios qui ont déjà toutes les idées pour faire
une petite partie ou même continuer une grande quête déjà établie. La deuxième chose que j'aimerais parler un petit peu plus de ce bouquin est la présentation et la mise en page. Artistiquement parlant, ce jeu est une beauté qui rivalise les plus grandes déesses. Je vous avertis, une fois que vous allez commencer à lire ce livre et les règlements, vous allez être introduit dans un monde fabuleux et les descriptions, les tournures de phrases, les exemples, tout est fait avec une maîtrise et c'est impeccable. C'est un des plus beaux jeux de rôle, si ce n'est pas le plus beau jeu de rôle que j'ai jamais lu et eu le plaisir de regarder. Les dessins et les peintures invoquent un sentiment d'aventure et d'exploration en dedans de nous à chaque fois qu'on voit ces illustrations. Elles sont parfaitement établies et ne prennent pas trop de place ni vole pas la vedette. Autrement dit, la balance entre l'art et les explications, elle est parfaite. En parlant de balance, le livre est parfaitement balancé. Il y a assez d'espace pour faire en sorte que les explications sont bien aérées. On ne se sent pas perdu ni englouti par trop d'informations, mais on retrouve toujours les réponses à nos questions. Le livre est divisé en plusieurs sections, dont la première qui explique à peu près comment qu'on joue à un jeu de rôle et comment qu'on fait des personnages et la base du jeu en tant que tel. Ensuite, c'est des explications approfondies comment jouer. Il y a une section de la magie et une section de des bestioles qu'on peut rencontrer dans le monde de Beyond the Wall. Même que certaines créatures, prenons par exemple les démons, ont des sections comment créer votre propre créature, votre propre démon, votre propre gobelin, votre propre dragon, en se basant sur des statistiques de base qu'ils donnent dans le livre. Donc, si vous manquez d'inspiration avec les nombreuses bestioles que vous avez dans ce livre, vous pouvez toujours en créer et c'est facile à incorporer des bestiaires monstrueux de d'autres éditions de jeux de rôle dans celui-ci. Si vous n'avez pas les OSR de nos jours, fort probablement que ce bouquin va pas vous faire changer d'idée. Mais les scénarios pack et les créations des joueurs avec les playbooks fait en sorte que vos joueurs, en tant que DM, ont une participation beaucoup plus approfondie dans la création du monde, du village et de leurs histoires. En même pas une heure, vous allez pouvoir créer les personnages, établir le monde, établir les personnages non-joueurs et commencer immédiatement à jouer. Non seulement ça, tout le monde se met la main dans la pâte. Donc, ça fait un mini-mélo où ce que tout le monde a un sentiment d'appartenance parce qu'ils ont créé le monde ensemble. Et peuvent faire une recette digne des plus grands scénarios qui sont publiés par d'autres compagnies. En parlant de publication, il y a aussi des playbooks et aussi des scénarios packs supplémentaires que vous pouvez télécharger de la compagnie. Beyond the Wall and Other Adventures est disponible sur DriveThruRPG en print-on-demand. J'avais mes doutes au début par rapport à ce livre. J'ai eu des bonnes critiques et c'est seulement quand que j'ai vu le livre et que je l'ai ouvert et j'ai commencé à le lire que je me suis fait absorber par la prestance et la pure nostalgie et l'initiative que le jeu nous donne. Des merveilleuses mécaniques de jeu qui font en sorte que les joueurs et le maître du jeu participent ensemble comme jamais auparavant. Je considère ce livre peut-être pas comme un chef-d'œuvre,
mais c'est proche de ça. Vous allez certainement pas le regretter, et vos joueurs qui aiment participer à des jeux de rôle vont vous apprécier encore plus d'avoir procuré ce livre et de partager les connaissances et les statistiques, comment créer les personnages et leur propre monde.